Un spécial, c'est vous qui le dites aujourd'hui, pour parler de la semaine de l'éducation organisée du 4 au 8 décembre par France Télévisions. Un peu partout, des élèves des classes primaires, mais également des collégiens, des lycéens, des jeunes apprentis sont invités à débattre. Nous, on a installé notre plateau au CFA de Blois et les jeunes prennent la parole dans C'est vous qui le dites. Depuis quand existe le CFA de Blois? Le CFA de Blois existe depuis 1977. Alors, combien d'élèves et de formations sont proposés? Nous n'avons pas d'élèves, nous avons des apprentis et nous avons 1136 apprenants au dernier chiffre. Quel taux de réussite en 2017? Alors, 83,33% de réussite aux examens en 2017. C'est mieux que l'année précédente? C'est mieux que l'année précédente. Avez-vous entendu parler de la semaine de l'éducation organisée par France Télévisions? Avant cette semaine, non, j'avoue que non. Oui, j'en ai vaguement entendu parler, mais très vaguement. C'est-à-dire ici, pour ici, préparer notre pour arrivée. Préparer votre arrivée, voilà, c'est très ça. Très bien. Alors, pas du tout. Je viens de l'entendre. Vous ne savez même pas que ça pouvait exister? Non, pas du tout. Nous non plus. L'éducation, cela représente quoi pour vous? La vie. Si on n'est pas éduqué, ça ne sert à rien. Si personne ne nous éduque, on fera plein de conneries, quoi. Alors, l'éducation, je parlerai plus l'éducation côté familial. Les parents qui nous élèvent tout au long de notre vie, entre guillemets, sur nous apprendre les valeurs de la vie, le respect, la politesse, nous apprendre à être des bonnes personnes, simplement. C'est une école de la vie, l'éducation c'est primordial, c'est... Je sais pas, c'est un savoir-vivre entre nous. On doit être un minimum éduqué pour savoir-vivre. Vous êtes plutôt télé ou internet? Moi, je suis plutôt internet. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, je pense. Pourquoi? Internet, il y a les réseaux sociaux, les youtubeurs, etc. Je regarde, j'aime, je like. Je suis plus télévision. Ah! Oui. J'aime bien regarder beaucoup de séries. Enfin, on en tient une qui regarde la télévision. Oui, beaucoup. Ah bon? Oui, beaucoup. Je regarde beaucoup de séries, j'ai de mes petites habitudes tout le temps. Et... À la maison, papa et maman, ils regardent la télé ou ils sont plutôt internet, eux? Non, non, ils sont plutôt télé, télé, journal, truc de vieux. Un truc de vieux? Le journal papier? Ouais. Parfois, il m'arrive de regarder quand même le journal de TF1 aussi. De BFM? De TF1. TF1? Oui. On va être obligé de couper, là. Pourquoi avez-vous choisi la filière de l'apprentissage? Comment ça se passe? Moi, j'ai choisi l'apprentissage parce que le collège n'était pas pour moi. Beaucoup de difficultés, beaucoup de bêtises. Des bêtises? Ouais, mauvais élève, mauvais garçon. J'ai choisi l'apprentissage, pour moi, ça a été un déclic. Après, j'ai fait une année de fac et c'était pas pour moi. Et voilà, j'ai voulu faire de la pâtisserie et j'ai rencontré quelqu'un, un pâtissier qui m'a donné envie. Est-ce que ce sont les médias qui t'ont donné envie de faire un travail manuel? Est-ce que tu as vu des reportages? Ouais, je regarde pas mal aussi de reportages que j'ai vus à la télé qui sont assez alléchants. Et puis après, ouais, aussi, c'est beaucoup... Beaucoup de moi, j'ai toujours voulu faire ça. Mais les médias m'ont influencé quand même avec les reportages, etc. Est-ce que c'est les médias qui t'ont donné envie de faire un travail manuel? Non, pas du tout. J'ai toujours été plutôt manuel que intellectuel, on va dire. J'ai toujours été travailler avec mes mains. Voilà, je suis pas. On va dire que je suis pas très cérébral. Je suis pas abruti non plus, mais pas cérébral. C'est ça les questions? Oui. C'est bon? Mademoiselle. Merci. Merci, monsieur. De rien. Jim, merci beaucoup. Pas de soucis.